Hello, hello, chère Balance, c'est Mila. Bienvenue sur ta chaîne, le Tarot de Mila. Les petites balances, signe d'air. On va faire un tirage donc plutôt court, plutôt actuel. Donc, une énergie ici qu'on va décrire et qui te fait face. Toi, comment tu te positionnes au moment où tu regardes cette vidéo. Un développement sur les jours, petites semaines suivant la lecture de cette vidéo. Et un conseil que je me permettrai de te donner. J'espère que tout va bien de ton côté. Merci énormément d'être là. N'hésite pas à soutenir cette chaîne, cette vidéo te parle, en likant, en partageant, en t'abonnant. Regarde tes trois placements. Je t'invite déjà dans un premier temps pour avoir peut-être plusieurs messages. Et puis aussi parce qu'il est possible que ce tirage-là ne te parle pas ou te parle peu, très peu. N'hésite pas à aller regarder tes autres placements. Tes messages sont peut-être là-bas. Pour toi, chère Balance, tu as aussi dans la boîte de description le lien de mon site internet si tu souhaites une guidance privée, pardon, si j'ai bugué. Tu as carrément le calendrier directement et puis tu peux réserver ta guidance avec moi. Tu as aussi le lien pour accéder aux extensions des tirages relationnels et mensuels généraux. Allez, pour toi, petite balance, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on va voir un petit peu s'il y a quelques petits messages pour toi. L'impression que tu passes de bons moments ou que tu as passé récemment de très bons moments. Sinon, c'est en perspective. Ça peut être des rassemblements, des anniversaires, des... Voilà, j'ai l'impression que tu partages beaucoup d'émotions, beaucoup de, voilà, d'énergie positive avec les gens. J'ai l'impression qu'il y a aussi une bonne entente autour de toi. Il peut y avoir une énergie de réconciliation pour certains. Oh, pour certains, attends-toi quand même peut-être à une opportunité qui te tombe sous le coin du nez. Alors, je ne sais pas si avec la tour, c'est toi qui la provoque, avec, voilà, avec de l'action, des recherches. Y a peut-être aussi un intérêt pour quelque chose qui vient mais vraiment comme ça. Tu marches dans la rue, tu vois une annonce, ça peut être par rapport à une maison, par rapport à... Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui soit tu trouves très rapidement, on est là, soit ça vient à toi, ça peut être sous la forme d'une offre d'emploi, c'est possible, d'un coup de main, un ami que tu n'as pas vu depuis longtemps. Il y a quelque chose d'assez soudain ici. Qu'est-ce que j'ai pour mes balances? Oh, ouais. Allez, on y va. On va voir un petit peu ce qu'il y a. Donc, face à toi. Qu'est-ce qu'il y a face à toi? La mort. Ok, c'est radical. Quoi d'autre? Ok, toi, je ne voulais pas tirer trois cartes en plus. Toi, que j'estime toi, hein, je t'estime là. Énergie assez défensive ici. J'ai l'impression que tu refuses quelque chose au nom de ta stabilité, au nom de la paix. Tu es là pour moi, hein, d'accord? Énergie assez taureau, vierge, capricorne, bélier, lion, sagittaire. En face, j'ai l'impression, c'est bizarre, parce que je vais te dire, c'est bizarre. Bon, écoute, ça va être un tirage très particulier, et c'est ce que je ressens comme ça, de manière intuitive, tout de suite. Alors, j'ai l'énergie du scorpion ici, bélier, lion, sagittaire, taureau, vierge, capricorne. Une énergie liée au passé, hein. Avec la mort, on part de quelque chose qui est peut-être, je dis bien peut-être, lié déjà à un passé pour toi. Et si je te vois dans cette énergie-là, c'est peut-être que tu as des souvenirs, tu as des résurgences. Il y a des choses qui te ramènent actuellement à penser à une situation du passé. J'ai l'impression qu'il y a eu peu d'ouverture dans cette situation. J'ai l'impression aussi d'une, peut-être d'une coupure nette pour certains, ou tout simplement d'une méfiance. J'ai l'impression ici que cette situation ou cette personne, alors j'ai oublié de te dire, mais ça peut être, étonnamment, je vais quand même en venir à toi face à toi, ça peut être toi face à toi. Mais ça peut être toi face à un groupe de personnes, une personne en particulier, une situation, ta façon de voir les choses dans une situation donnée, je ne sais pas. D'accord? Il faut vraiment que tu aies l'esprit assez large. Mais si c'est une personne, on va continuer là-dedans. Étonnamment, j'ai l'impression que cette personne, il y avait un côté très têtu chez cette personne, où cette situation, elle amenait un côté têtu. Ça ne bougeait pas. Et en même temps, avec le 2 de pentacle, on ne savait pas quoi faire. Mais il y a une coupure, j'ai l'impression qu'on parle de quelque chose du passé. Et si tu y repenses maintenant, comme je te l'ai dit, tu vois, tout à l'heure, j'avais quand même la tour. Alors, est-ce que tu vas croiser quelqu'un et donc tout de suite, il y a eu, ou est-ce que tu as croisé récemment quelqu'un et donc c'est pour ça qu'on a cette énergie-là? Bon, on peut être sur, voilà, comme je te dis, une forme de souvenir, une forme de retour en arrière.
Mais toi, tu es en train de me dire que tu rejettes quelque chose, encore une fois, au nom de la paix. Tu as peut-être trouvé cette paix, cette ou autre chose hein, qui fait que maintenant tu t'y consacres. Tu te consacres à un autre projet, à une autre relation peut-être. Et j'ai l'impression que tu protèges, hein, tu protèges tes énergies. Tu es un peu sur la défensive, hein. C'est bizarre ce que je ressens. Ouais. On va tirer d'autres cartes parce que ça me semble bizarre. Alors, le 2 de Pentacle peut m'amener aussi à une situation qui a une personne, si on reste sur une personne, qui a beaucoup pesé le pour et le contre. Mais qui néanmoins regarde tout de suite la mort. Donc, le pour et le contre tourné vers l'avenir. Donc, oui, mais on est quand même sur un 2 de Pentacle. Hein. Peut-être qu'il y avait des obligations, peut-être qu'il y avait d'autres situations à prendre en compte. Peut-être qu'il y avait une autre union, parce que le 2, c'est un chiffre d'union, de partenariat. Mais le 9 de bâton regarde directement la mort. Donc peut-être que, je ne sais pas pourquoi, mais dès le début, c'était peut-être voué à l'échec dans la tête de cette personne. C'est très particulier ce que je vais dire, Balance. Vraiment. Ou que ça n'a pas été bien loin, quoi. Tu vois? Et pour certains, il n'y a eu rien du tout. J'ai même du mal à parler. Ok. Alors, si c'est toi face à toi, bah c'est possible qu'il y ait vraiment un changement radical nécessaire. Quelque chose que tu as potentiellement essayé de faire parce que le 9 de bâton amène une chronicité. D'accord? Quelque chose, voilà, qui revient, qui repart, qui revient. Effectivement, peser le pour et le contre. Un coup ça va, un coup ça va pas. Ascenseur émotionnel. Sauf que là, tu es en train de regarder quelque chose en face. Et j'ai l'impression que si ça revient un petit peu dans tes énergies, bon, ça peut être une mauvaise habitude, par exemple, eh ben. Non, il y a quand même la dynamique ici, je me suis libérée de quelque chose, tu avais besoin de te libérer de quelque chose. Je ne dis pas que c'est forcément fragile, mais c'est encore là. Pour certains, c'est un peu fragile, mais tu as compris ce que je voulais dire. Et donc là, en fait, tu as ce côté affirmation de soi. Non, je suis plus fort que ça, je suis plus forte que ça. Tu vois, ça peut être ça. Mais ça peut être une personne hein, du passé, voilà. Okay. Après, dans un autre ordre d'idée, on peut aussi parler de tout ce qui fait que tout ce que tu as voulu rejeter, tout ce qui fait que tout ce qui ne t'a pas fait du bien dans le passé, et tout ce que tu veux rejeter, toute la coupure que tu as fait nette entre l'avant et l'après. Donc peut-être par rapport à un aspect, peut-être par rapport à plusieurs aspects, mais j'ai l'impression toi que tu es en train de me dire mais qu'est-ce qui m'amène là actuellement, j'ai besoin d'aller vers cette prospérité, cette stabilité, cet ancrage qui est très important et qui m'est très cher. Et j'ai cette notion, encore une fois, de liberté derrière tout ça. Donc, c'est là que tu te sens le plus libre, maintenant. Ok. Ouais. Je vais tirer une carte sur la mort. Attends, j'en ai deux. Je voulais pas deux. Bah oui, j'en ai deux, je voulais pas deux. Je vais tirer une carte sur la mort. Ouais. Le magicien. Je t'ai dit, il est possible qu'il y ait eu un sentiment d'illusion. D'un point de vue général, c'est ce sentiment d'illusion, ce sentiment de manipulation hein, en face. Mais étonnamment, j'ai l'impression que cette personne, elle pense, j'ai un miroir entre eux. Si c'est une personne, j'ai un miroir. Il y a tu vois, le magicien, bam, la mort. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a vraiment duré? Je ne sais pas. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose pour certains? Rien du tout. Mais j'insiste sur le rien. Il y a eu ce sentiment de magie et de possibilité, mais peut-être pas exploité. Voilà. C'est possible si c'est une personne. Ça peut être aussi un projet. Hein. Tu as peut-être voulu mettre quelque chose en place. Bon, et je pense que ton état d'esprit aujourd'hui, il est beaucoup plus fort que celui que tu avais avant. Bon, on va voir un petit peu comment ça évolue. C'est étonnant ce tirage. Bah, désolé. Hein. Et Balance, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Vraiment. Vraiment, vraiment. C'est bizarre parce que tu vois, est sorti avec plusieurs cartes, mais je l'ai remise dedans. Et tout à l'heure, était en la coupe. Est-ce qu'on parle d'une amitié amoureuse ou de quelqu'un avec une ambiguïté au niveau de l'amitié. C'est possible pour certains. Mais je pense que si tu réagis comme ça, et qu'ici ça réagit comme ça, vous êtes en miroir. Hein. Pourquoi tu es en 7 de bâton, toi, aussi? Un petit peu... Attends. Ah, l'as de coupe à l'envers. C'est étonnant ce que je vais te dire, chère Balance. Peut-être que tu penses qu'il y a une non-réciprocité. Après, c'est possible que tu sois passé à autre chose. Balance. Vraiment. Mais c'est peut-être... Voilà. La peur de donner des émotions. La peur de montrer tes émotions. J'ai l'impression que tu es assez défensif. Hein, défensive.
Mais ça peut être le sentiment qu'il y a une non-réciprocité. Alors ça peut être juste un sentiment, comme ça peut être quelque chose qui a été vraiment dévoilé, mais c'est bizarre parce que j'ai pas vraiment ce ressenti-là. Non-réciproque. Pas sur la même longueur d'onde. Il y a aussi une non-communication des émotions ici. T'es dur, Balance. Bon, allez. Bon, tu me diras là aussi. Hein. Allez, on va voir un petit peu l'évolution, si tant est qu'il y en ait, mais ça me semble bizarre. Ça... Peut-être qu'on est sur la... Voilà, comme sur un souvenir ici. Bon. Le page de... Ok. Je comprends un petit peu le topo. Alors, si jamais... Ouais. Si jamais il y a énergie du scorpion, gémeaux, taureau, vierge, capricorne, bélion, sagittaire. Écoute, il y a un lien. J'ai une forme de réciprocité, quoi qu'il en soit, dans ce truc. Si c'est, là, on continue sur le lien, hein, d'accord ? Bon, si on parle de toi, vraiment toi face à toi, j'ai l'impression que t'as encore un petit peu de chemin, d'accord ? C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, non pas que ce soit forcément fragile, mais que ce soit un petit peu sensible. Donc là, il y a voilà, beaucoup d'apprentissage de soi, il y a vraiment ce côté connexion à soi qui est très important, décision, ancrage, et puis on évolue quand même sur la reine d'épée, donc en fait, t'es sur la bonne voie. Hein, tu sais exactement ce que tu veux, j'ai pas l'impression qu'il y a un côté « je flanche » par rapport à ce que t'as pu mettre de côté ou derrière toi. Si c'est une personne, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'observation de part et d'autre. Je vais quand même le dire, et encore une fois, j'ai le 2 de coupe qui me parle quand même d'un miroir. Je ne pourrais pas avoir le 2 de coupe comme ça. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui prend de sages décisions. C'est quand même une énergie assez froide. Alors, si tu t'attends à une communication, je n'ai pas vraiment l'impression, étonnamment, c'est ce que je ressens. Vraiment, tu vois, j'ai le 10 de bâton. Quelque chose assez... attends. C'est étonnant, c'est pas ce que je ressens. Hein. J'ai l'impression que... Mais il y a quand même... C'est dingue, tu vois, je viens de regarder quelque chose. Des fois je regarde pas. Et quand tu regardes bien, je vais essayer de t'approcher la carte. Ils ont les yeux fermés. Il peut y avoir une observation sur les réseaux, si c'est le cas. Il peut y avoir une personne que vous avez en commun, c'est possible. Donc des nouvelles par une personne en commun. Mais j'ai l'impression qu'il y a un lien ici, qui les yeux sont fermés. Spécial. Très spécial. Pourquoi le 2 de coupe? Je vais quand même tirer une carte. Pour l'instant, c'est dingue parce que c'est... Ouais, j'ai un petit... Peut-être que tu as quelque chose d'autre. Hein. Peut-être que c'est une personne dans ton environnement proche. Je vais quand même tirer une autre carte. Je ne vais pas te laisser comme ça parce que c'est... J'ai quand même vu un paquet de cartes. Il y avait la force à l'envers. Je sais pas pourquoi, mais la force à l'envers, c'est un manque de... Une peur, des peurs, hein, quelque chose d'incontrôlable. Ah. Roi d'épée. Pour certains, on est sur autre chose. C'est ce que je ressens. Mais il y a un lien qui est encore là. Sinon, s'il en est vraiment toi face à toi, j'ai l'impression qu'il y a quand même... des bonnes décisions. Il y a un environnement qui potentiellement t'aide à évoluer. Peut-être même une personne en particulier, une famille, c'est possible. Mais j'ai l'impression que tu te proposes, quoi qu'il en soit, le meilleur. D'accord ? On va dire ça comme ça. Mais c'est dingue parce que je vais changer de tarot. Je vais juste prendre une carte comme ça sur le 2 de coupe. Ça me semble étonnant. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec les yeux fermés, l'hiérophante. Une carte d'engagement. Est-ce que tu te le permets? C'est aussi la permission qu'on se donne, tu vois? Est-ce que tu te le permets? J'ai pas l'impression. Il y a un lien ici. Voilà. Ça peut être une opportunité manquée avec quelqu'un. Il est possible que tu tombes sur cette personne. Hein, ton tirage est plus long que les autres. Il est possible que tu tombes sur cette personne, mais néanmoins, je te vois quand même assez sage, hein, dans ta, assez droit, hein, dans l'attitude que tu as déjà et que tu veux continuer de mettre en place. Et pour autant, il y a d'autres choses dans ta vie qui fonctionnent plutôt bien. Ok ? Le conseil, je vais te tirer avec ça. Un petit conseil pour toi, chère Balance. Désolée pour ce tirage, il est vraiment très particulier. Très, 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 j'en ai beaucoup. Très particulier, Balance. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, vraiment. Allez, le conseil, 8 de coupe. Ok. Il y a un réalisme ici, tu vois. Je dirais un apaisement. Il y a un réalisme ici de la situation. Le conseil, c'est de continuer d'avancer, dans un premier temps en tout cas. C'est quand même le détachement émotionnel pour prendre de bonnes décisions.
Il y a un avant et un après avec le 8 de coupe. Donc je pense qu'il y a une acceptation et un réalisme de la situation que tu dois mettre en avant, quoi qu'il en soit, hein, par rapport à cette connexion, hein, si c'est une connexion. Mais sinon, voilà, il faut laisser le passé au passé, pour le moment en tout cas. Voilà tes messages, chère Balance, j'espère que cette lecture t'a parlé. Merci de liker et partager, sans oublier de t'abonner, au revoir.